Bonjour et bienvenue dans le buzz télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct, d'interaction avec vous et bien sûr avec notre invité du jour. Alors. Des aspirateurs, des appareils de fitness, des antibactériens, la liste est très très longue. Oui. Depuis 2014, cet animateur, on pourrait dire même responsable des achats de mois de 50, hein, qui est aussi <laughs> privilégié à la télévision, bah, il nous vend des tas de produits. C'est dans Téléshopping, sur TF1, vous l'avez quand même connu au début des années 90 dans un autre registre. Hein. C'était sur Fun Radio avec Arthur, puis sur Canal, également dans Nulle part ailleurs, mais aussi... Dans le journal du Hard, sur, euh, voilà, sur TF1, également dans euh, La Fureur, W9 encore, dans un genre divertissement, euh, notamment avec X Factor. Et aujourd'hui, c'est dans le groupe TF1 qu'il évolue et qu'il navigue, hein, mais aussi dans le groupe Énergie, hein, puisqu'il est également à la tête de la matinaille Réveil Chéri hein, sur Chéri FM. Il s'est levé très tôt pour venir nous voir ce matin et il enchaîne Alexandre Devoise, Bonjour. Bonjour. Merci pour votre invitation. Bienvenue dans le Buzz Télé. Euh, 7 ans hein, que vous présentez déjà. Euh, télé déjà le téléshopping. Téléshopping sur, sur TF1. Avant évidemment d'évoquer l'actualité de, de, de cette émission, euh, vous n'êtes toujours pas lassé par ce genre d'exercice Non, parce que voilà, on essaie de se renouveler depuis quelques années maintenant. Je ne vais pas dire qu'on a renouvelé le genre, mais il pouvait y avoir jusqu'à un certain point un côté où on peut dire un peu poussiéreux euh, l'image de téléshopping. Non, on fête le 34e anniversaire. Nous étions ouais. d'ailleurs en direct euh, samedi au travers des produits qu'on propose, au, au travers euh, voilà des scènes des nettes, des petits sketchs, de se développer euh, sur le net. Euh, le, le renouveau, le revival euh, de Téléshopping, Téléshop, est bien là. Et encore, je pense, euh, durant de nombreuses années. Et on peut encore s'amuser avec Téléshopping On s'amuse parce qu'il y a toute une histoire à écrire. Euh, évidemment, lorsqu'on parle d'aspirateur, euh, ça me séduit et ça me fait sourire. <laughs> d'ailleurs, j'ai regardé vos comptes. Vous n'avez pas beaucoup commandé ces derniers temps. Non. Euh, je vous proposerai enfin d'émission, la carte fidélité qui vous permettra évidemment de, de profiter de nombreux avantages. Euh, ce qui est intéressant, c'est, je vous l'accorde, lorsqu'on a déjà peut-être présenté euh, 10, 15, 20 aspirateurs, euh, on a peut-être le sentiment de tourner en rond. Pas du tout. Il y a une vraie écriture, une vraie recherche euh, de quelle manière cette fois-ci on va réussir à le mettre en valeur. En plus de l'animation pure et dure, c'est cette écriture aussi, moi, qui me séduit et c'est ce qui ferait que je m'amuse au quotidien. Les mises en scène différentes. Est-ce que vous êtes, de nombreux amis vous demandent parfois des réductions, justement, vous nous avez proposé d'avoir notre carte de membre, si j'ai bien compris. Alors pas que... de réduction, mais alors je vous le dis franchement, j'ai pas mal de produits à la maison, puisque on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que non pas on a renouvelé le genre, c'est ce que je disais, mais j'ai installé parfois des caméras à la maison, je teste des produits à la maison, testé et approuvé par Alexandre de Oui, oui ça, le... exactement, avec le, le tampon, exactement, qu'on diffuse ensuite euh, dans l'émission. Vous allez l'acheter, vous allez le tester. Pourquoi pas moi Et j'ai beaucoup d'amis de passage euh, qui sont parfois intéressés par le Range Max, le barrage aux insectes, les guiseurs, donc. Euh, je <laughs> n'ai pas une cave pleine mais euh, voilà je suis un peu le, le père noël Téléshop. et l'homme des bons tuyaux donc J'espère, bon, les bons amis. J'espère. <laughs> Nous sommes en direct avec Alexandre Devoise, sur hein, Figaro Live, je vous rappelle, diffusé sur le figaro.fr, et également la page Facebook de TV Magazine. Est-ce que vous êtes des fidèles hein, Vous le suivez depuis les débuts de sa carrière, hein, qui est assez, on va dire, multifacette entre la télévision oui. et, et la radio. Bah, également, est-ce que vous suivez Télé Shopping et vous êtes des accros tous les matins Alors, En attendant, bah, je vous propose de redécouvrir les news médias du jour et c'est avec Sarah Le les infos du jour, la tradition c'est qu'on démarre toujours par les audiences de la veille, Alexandre, okay. et c'est parti. Et oui, et c'est M6 qui est en tête grâce à Top Chef. Le troisième épisode de la saison 12 a attiré 3 200 000 fidèles, ce qui représente 16,2% du public, donc un très joli score pour la chaîne qui bat même TF1, euh, le retour de The Resident, la série américaine qui était proposée sur la une, a seulement convaincu 3 180 000 personnes, soit 14,2% de part de marché. Et la faute à Rousseau, c'est la fiction avec Annie Duperret sur France 2, a séduit 2 700 000 fans et 12,4% du public. Enfin, c'est un échec pour Stéphane Bern qui proposait, je vous le rappelle, la ferme préférée des Français. C'est le dérivé du monument et du village préféré des Français. Et bien Seulement 1 600 000 personnes étaient au rendez-vous, soit 7,7% de part d'audience. Et du match entre Nicolas Sarkozy euh, d'un côté hein, et Patrick d'Arvor de l'autre hein, qui était invités l'un sur, sur TF1 et l'autre sur euh, TMC quotidien donc le groupe TF1 eh bien, ce sont des jolies audiences puisque euh, le JT TF1 a, a convaincu 6 900 000 téléspectateurs soit 26,6% du public tandis que TF1 c'était à, 20... à TMC c'était à 20h28 précisément avec PPDA qui se défendait après les accusations de viol 2 millions de curieux soit 7,8% de parts de marché. La télé, vous avez le temps de la regarder, entre, avec votre agenda bien, bien fourni Très peu parce que je ne suis pas rentré euh, à l'heure d'affaires conclues, et je suis couché lorsque il y a le, le prime film time du dimanche soir, <laughs> euh, si les dimanches sur TF 1 Donc non, je regarde très très peu la télévision. Et, et en différé ou j'imagine euh, les plateformes de SVOD comme Netflix ou alors Amazon de temps prime. en temps Netflix évidemment plutôt pour les séries et les documentaires ou euh, rythmé aussi par l'emploi du temps des enfants. Euh, voilà, mais j'étais euh, un, un peu plus consommateur de télévision il y a quelques années là maintenant avec le rythme, et après certaines choses qui m'intéressaient il y a quelques années m'intéressent peut-être un peu moins aujourd'hui. Je vais picorer. Ça veut dire que les matinales imposent un peu une vie de moine, entre guillemets. Quand même. Ouais. Ouais. Euh, on, bah, on en parlait, le, le, bah, le réveil 4h du matin, arriver à la radio aux alentours de 5h moins le quart, on prépare encore un tout petit peu quelques nouvelles fraîches, même si nous, ce sont du, du divertissement, à ce qu'on propose tous les matins sur Channel ma Il ouais, y a de la musique, on le rappelle, il y a, musique, y a des, jeux de jeu, accompagnement, ouais. rubrique. Euh, voilà, et ensuite, on part pour 3 heures de direct entre 6h et 9h. Et dès qu'à euh, 9h, l'émission est terminée, on s'organise, il y a des journées complètes pour la radio. et Ensuite, on part pour les enregistrements de téléshopping, de prêt maquillé, prêt à tourner de 10h du matin jusqu'à temps que ça se termine. Est-ce qu'au bout de la nuit Ouais, jusqu'en <laughs> fin de journée, début enfin... de soirée, mais j'ai la chance de faire un métier sympa qui me plaît et par rapport à beaucoup aussi en ces périodes compliquées, d'avoir une activité et de bosser, donc je ne me plains pas, je suis content. Et ça se voit dans la bonne humeur. Ouais ouais c'est vrai. On poursuit Sarah euh, peut-être pas dans la bonne humeur cette fois, mais avec un euh, Patrick Poivre d'Arvor euh, qui est sorti de son silence. Oui donc on en parle. Il était euh, l'invité de quotidien hier soir sur TMC. C'est la première fois que l'ex présentateur vedette des JT TF1 s'exprimait devant une caméra euh, pour évoquer les accusations de viol à son égard. Pour rappel, mi-février, l'écrivaine Florence Porcel a déposé plainte contre lui pour des faits qui seraient survenus 16 années plus tôt. Et comme dans, ton, dans son tout premier communiqué publié il y a deux semaines et eh bien PPDA a nié en bloc et a dénoncé une campagne ignoble il y a tellement de saloperies qui ont été dites dit-il que je voulais m'exprimer m'expliquer donc c'est ce qu'il a dit à Yann Barthès l'animateur il décrit un rapport d'entraide avec celle qui l'accuse plutôt que sentimental s'il y a eu tentative de séduction elle ne vient pas de moi a-t-il encore assuré le journaliste de 73 ans a par ailleurs annoncé porter porte plainte contre Florence Porcel mais aussi contre le Parisien qui a révélé l'affaire et tous les organes de presse qui ont fait euh, qui en ont fait leur chou gras hein, finalement de cette affaire donc euh, ce n'est pas terminé Alors la, par la parole il se, se libère, on le voit avec tous ces mouvements euh, globalement de libération de, de, de la parole, mais la présomption d'innocence, quand même, dont on reparle aujourd'hui, quand même pas mal. En... Alors, moi, contre, en, en je ne vais pas le... aller sur ce genre de, de sujet. Hein. Enfin, certains ont en tout cas des, des, des réponses à tout, euh, moi pas. Euh, le, le, voilà, en tout cas, si bien qu'il y ait des choses qui sortent aujourd'hui, il y a, choses, euh, il y a su, différents supports, des médias, que ce soit euh, des, des infos euh, politiques euh, ou autres. Euh, voilà, j'en resterai là. Les réseaux sociaux vous êtes... Alors, j'utilise évidemment les réseaux sociaux, mais pareil, moi, je n'ai pas pour habitude, même si j'ai la chance de faire un métier public, de partager. Je partage beaucoup de choses au travail, je partage très très peu de choses dans mon quotidien, ma la sphère vie privée, privée, familiale. Pardon, mais... Euh, j'ouvre le rideau de faire le matin comme on ouvrirait un commerce, dans le bon sens du terme. Euh, cette activité me plaît, me fait plaisir, et à un moment donné, lorsque la journée est terminée, clac, non pas je passe à autre chose, mais j'ai aussi d'autres activités annexes. Un autre tempo. Ouais. Euh, ça, on sait, ça y est, qui, qui, qui remplace hein, Marie Portiolianos au Canal Sport Club, hein, sur Canal ⁇ et oui, comme les rumeurs le sous-entendaient la semaine dernière, c'est Astrid Bar qui prendra le relais dès le samedi 13 mars prochain sur Canal+. Alors les téléspectateurs fidèles de la chaîne cryptée la connaissent puisqu'elle est dans le groupe depuis 2010. Elle présente le Late Rugby Club notamment, elle a couvert le Top 14 et elle a également remplacé Isabelle Iturburu au Canal Rugby Club et aussi couvert les JO de Rio, c'était en 2016. Alors Marie Portolano, il faut le rappeler, a quitté Canal+. La semaine dernière, après sept années de bons et loyaux services, elle rejoint le groupe M6 pour y présenter des divertissements, notamment un talk show importé de Belgique. Elle a aussi signé une pétition de soutien à Sébastien Touraine, hein. il faut le rappeler, euh, ouais. en décembre dernier. Donc ça a eu quelques mouvements depuis euh, chez, chez Canal. Le Canal que vous avez connu... Euh, Ouais, entre guillemets à la, à la grande époque et, bah, et le au canal différent de ce qui se passe aujourd'hui vous savez on me pose souvent la question est-ce que c'était mieux avant certains disent ah non c'est différent bah, j'ai dit oui certes c'est différent mais c'était quand même mieux avant euh, j'ai eu la chance de faire un peu moins de 10 ans sur Canal on dira à la belle époque euh, voilà de rencontrer des gens passionnés euh, la possibilité de faire plein de choses euh, le, le, on avait le budget pour les invités aussi euh, jouaient le jeu euh, ça a été des, des, des moments de fête de plaisir d'apprentissage au quotidien. Et voilà, d'ailleurs beaucoup de gens avec qui on peut discuter aujourd'hui disaient, Putain, cette époque-là de canal, vous avez dû passer du bon temps. Oui, ça a été le cas pendant toutes ces années-là. — Encore du bon temps. — Ouais. ouais. Non, non, mais c'est vrai. Moi, c'est ce qui euh, m'a toujours euh, plus motivé. J'ai la chance de faire une activité plutôt sympa. Et après, ben bah, voilà, je fais des choix. Peut-être certains, t'es surpris euh, du fait de se lancer dans la présentation de Téléshopping quand t'es passé par nulle part ailleurs, quand t'as fait, vous l'évoquez, un euh, exercice de style, en l'occurrence au Journal du Hard ou d'autres Voilà, j'ai la chance de faire plein de choses, bah, allons picorer. On ne sait pas en combien de temps ça va durer. Bah, pour le moment, ça fait 30 ans, donc tout et, bien. Et Canal, c'est parmi vos meilleurs souvenirs aujourd'hui oui, oui, bien sûr, les ouais. meilleurs souvenirs. Après, il y en a eu d'autres sur W9. Mais il est vrai que c'est 10 années, 10 années folles euh, voilà, de, de, de rencontres, d'échanges, de, 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 euh, voilà, des moments assez fous. Merci, saint parrain pour ces news bah, médias du jour. Et on enchaîne tout de suite avec Alexandre, l'interview du Buzz télé. Avec plaisir. Alors, on en parlait, hein, c'est tous les matins à 8h30. Les téléspectateurs vous retrouvent dans Télé Shopping sur TF1. C'est à l'antenne depuis 1987, après ouais. euh, la privatisation de, de, de la chaîne. Cette émission, en effet, traverse les générations. Comment vous expliquez ce succès et cette longévité Renouvellement avec l'arrivée aussi du e-commerce, hein, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Et c'est ce qu'on disait en début d'interview. Il y a peut-être eu une période et un moment où on avait le sentiment qu'il y avait un côté un peu poussiéreux. Les gens reviennent. Enfin, évidemment, et on le voit durant cette période un peu complexe, la période de la Covid, les gens consomment évidemment sur du e-commerce. On essaie de renouveler le gens et aussi qu'on ne se raconte pas d'histoire. On est quand même au quotidien chez les gens. Sur la première chaîne d'Europe, donc pour nous aussi, même si les deux tiers euh, des ventes se font par Internet, on est quand même à la télévision tous les jours. Je crois qu'avec peut-être Jean-Luc Reichmann ou autre, euh, c'est euh, l'une des émissions qui fait le plus d'heures à la télévision. Euh, donc, on a la chance d'avoir cette vitrine. Nous sommes chez les gens au quotidien, donc euh, c'est une vraie valeur ajoutée également pour nous. Vous, vous parliez de la Covid. La Covid, ça a été une bonne ou une mauvaise affaire finalement Ça a été une bonne affaire. Les shopping. Euh, Sous de, de quelle forme, de quelle manière on à La forme d'audience mais... et également chiffre d'affaires. Exactement. Beaucoup de gens à la maison avec le travail, donc on est un peu plus suivi et donc logiquement les gens qui se déplaçaient un peu moins ont un peu plus commandé sur euh, bah, des produits qui sont parce que les salles de sport sont fermées produits fitness ou parce que les uns et les autres qu'on a mis du noir me concernant. Euh, on, on a pris quelques euh, kilos, euh, donc quelques bon programmes point. minceurs euh, évidemment, quelques programmes cuisine ou, ou de réaménagement de son intérieur. Donc c'est vrai que nous avons performé sur ces univers euh, de, de produits. Est-ce qu'il y a un, un produit star parmi les stars en téléshopping Oui, il y en a beaucoup. Euh, il y a. Non, euh, si on doit en retenir qu'un seul. Ah bon, bah, le barrage aux insectes qui est un produit oui. euh, qui cartonne. Mais bref, euh, on a aujourd'hui ce rangement sous vide qu'on appelle le Range Max euh, qui vous permet évidemment de, de, de gagner jusqu'à à 75% de gain de place. Euh, voilà, et euh, voilà, le Range Max est l'un aussi des produits qui cartonnent, qui fait partie du top 5. Et est-ce qu'on peut tout vendre dans Télé ah. Est-ce qu'il y a une limite <laughs> Question intéressante. Euh... Est-ce qu'il y a des produits où vous dites ah non ça n'a pas été possible pour des problèmes de réalisation, ah oui, oui, d'espace euh... J'allais plus loin dans la réflexion mais euh, non non je disais nous avons régulièrement nous des réunions de référencement évidemment on présente pas une tondeuse à Noël et un barbecue enfin euh, voilà euh, mais on a des réunions pour qui quoi comment est-ce que ce serait intéressant de le mettre en image est-ce que ça peut être trop cher aussi pour les gens on a des, des réunions comme ça régulières récurrentes donc euh, bon il y a des produits qui passent à l'as. Sarah, première réaction ou question en effet de nos amis internautes oui, On est en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Bonjour. Et cette question de Philippe, quel produit télé-shopping avez-vous à votre domicile J'en ai des tonnes. J'ai le Smart Abdo qui est un produit qui permet évidemment de travailler euh, sa ceinture abdominale. Je viens d'avoir et d'acquérir le vélo iFitness, e pareil. Euh, J'ai les Range Max à la maison euh, pour ranger les couettes et les kimonos des enfants. J'ai aussi les euh, et je viens d'essayer de, le Minute Cooker qui est un petit appareil qui chauffe, qui vous permet euh, par exemple de manger une omelette ou autre sur le pouce. Donc on le que Alexandre doit Je n'ai une... pas encore parlé des oreillers et autres. On en parlerai lorsque vous me réinviterez la prochaine fois. Donc, le peut... minute Cooker, on le voyait à l'instant. Bien joué. A a Alexandre doit, bien. doit avoir soit une grande maison, soit un grand appartement. Une grande cave, une grande cave et une grande cave. rappelle, c'est un monument de la télé inventé par Pierre Belmar ouais. hein, une grande marque de la télévision. Ce concept, est-ce qu'il est menacé aujourd'hui On voit par les géants comme euh, de comme Amazon, qui a envahi notre quotidien. Je ne crois pas. C'est ce qu'on <laughs> disait précédemment. On, on aurait pu se poser la question. Le, le oui, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné peut-être des périodes à vide, mais voilà, je me répète. Le, 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 nous, la force, c'est qu'on a la chance de pouvoir proposer chaque année à peu près 250-300 produits. On s'efforce de proposer une centaine de nouveautés, 150 nouveautés dans l'année, et on essaie évidemment. C'est une bagarre du quotidien. Ce n'est pas mon rôle, mais tout de même, on avance en équipe de que ces produits soient exclusifs. Donc, on essaie de ne les trouver que sur téléshopping avec. Et je me répète cette vitrine qui est évidemment TF1. Une vitrine co-présentée par Marie-Ange Nardi, ouais. on le rappelle, qui vient de lancer sa ligne de vêtements. Oui. By collection. By Marie-Ange Nardi, hein, qui sera proposée à la vente dans l'émission. Est-ce que c'est quoi, une façon de renouveler le programme Aussi, ça fait aussi partie, lorsque, le, voilà, mon, on m'a passé un petit coup de téléphone il y a 7 ans, est-ce que ça t'intéresserait de, 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 de présenter aux côtés de Marie-Ange Télé Shopping Je n'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, j'ai dit, ben, pour y faire quoi Et la volonté était d'aller sur les marchés, d'emmener les gens et les équipes sur des campings, de développer et d'avoir une écriture un petit peu différente par rapport à ce qu'on propose. Et la collection by Marianne Nardi fait aussi partie, enfin une certaine forme de renouvellement. On essaie des choses, on teste, on a la possibilité de le faire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et qui a eu cette idée là justement de lancer cette collection oh, Je pense que ça, Marie-Ange, ça faisait un petit moment qu'elle avait ça en tête. Et, et voilà, ce, ce projet a mis du temps à voir le jour, le temps que tout cela s'organise ça y est, c'est tout frais, la collection est lancée. J'ai pas essayé. <rire> <rire> les différents mo modèles. Dans la prochaine émission, quand vous viendrez le revoir. <rire> <rire> un peu d'introspection. Les, les qualités d'un bon animateur pour télécharger oh, C'est un exercice assez compliqué. J'ai eu la chance de faire des émissions de témoignages comme La Grande Famille, des grosses mmh. émissions Barnum de talk show comme Nulle part ailleurs. Du euh, divertissement aussi. Du divertissement, exactement. Et d'être. Euh, ce qui a été difficile, c'est de présenter, euh, parce que j'ai passé un test hein, tout de même, hein, de présenter euh, l'appareil le Smart Abdos en l'occurrence, pendant 7 minutes sans prompteur. Nous travaillons sans prompteur ni oreillette, par exemple pendant des directs de 2h20 où nous avons à peu près 25-27 produits à présenter. Si je n'avais pas eu la chance d'animer d'autres émissions avant, j'aurais été incapable de... On pense que c'est facile, c'est l'un des exercices les plus durs en animation que de présenter le télé-shopping et de partir... Euh, sur euh, voilà, une vente d'un produit avec attention des éléments de langage à respecter aussi. Est-ce que je peux vous faire jouer un, un, un exercice Oui, si vous voulez. Vous avez un masque assez, assez impressionnant. Si vous devez me vanter les mérites de votre masque <laughs> avec lequel <laughs> vous êtes venu <laughs> aujourd'hui voilà. pour vous un protéger. Pro. Pas mal. <laughs> Et je vais vous le mettre après. Je trouve le bon sens. Léger, maniable, protecteur, c'est évidemment le masque qu'il vous faut aujourd'hui. Alors, l'histoire est simple c'est le lot qu'on vous propose euh, ce matin. 9,99 €. C'est vraiment le moment d'en profiter. Joli, non c'est voilà. très joli. C'est un, un peu court. Hein. Bravo Alexandre. Donc, je vous rappelle, Merci. il n'est pas en vente évidemment sur le site du figaro.fr. Pour <laughs> ça, n'est pas encore… Il y a Télé Shopping. <laughs> L'image euh, de Télé Shopping qui vous, qui vous colle à la peau, ça, ça c'est quoi Ça vous dérange Ça vous amuse Non, Au contraire, c'est l'inverse le... et... Alors, le pardon au risque d'être prétentieux, ça m'a strictement rien fait. Enfin, ça fait 7 ans maintenant, hein, donc on a le temps. Euh, non, c'était une volonté de partir euh, euh, le, le, euh, voilà, dans un autre registre, un autre exercice, une autre manière de… Je ne pensais pas peut-être faire 7 ans à Télé Shopping. Ça ne veut pas dire que je me lasse, hein. ce qui veut dire que de refaire un talk show, bah dis donc, oui, mais il faut que ce soit un talk show sympa parce que j'ai eu la chance d'en faire un superbe. De repartir sur des émissions de témoignages, je ne le souhaitais pas parce que j'en ai fait pendant des années. Le divertissement, c'était bien, mais pareil, il y a eu beaucoup d'émissions autour de cela. Donc, le Télé Shopping, c'est quelque chose qui m'intéressait pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. Je m'amuse... On verra pendant combien de temps ça, 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 ça va durer. Tant que je m'amuse, j'y vais, sinon je ferai autre chose. Ou sinon, on, on me dira de partir aussi, parce que ça arrive. Hein. Ça arrive. Euh, Sarah Oui, sur la page Facebook de TV Magazine, il y a une fan. « Oh, quand une collection de tennis pour toi, Alex. <laughs> et, et que devient la cuisinière Lulu ?» Ah, c'est rigolo. Alors, fan, vous avez raison. Puisque Lulu euh, euh, proposait, c'était donc à l'époque de la Grande Famine, nous sommes en 1994, présenté par Jean-Luc Delarue, avec mon complice euh, Philippe vecchi, Tous les vendredis, euh, à l'image de ce que fait France 5, hein, euh, il y a Lulu, en l'occurrence, venait nous rejoindre et pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, il y avait une recette en direct. Euh, Lulu, euh, ben malheureusement, n'est pas là. Euh, on a passé de bons moments avec, euh, avec Lulu. Et en ce qui concerne les baskets, c'est vrai que j'ai eu une collection plus jeune de Santiago et ensuite un peu plus âgée de baskets qui sont encore à la maison. Mmh. <laughs> ah, vous l'avez dit, vous avez également incarné la fureur, le retour. C'était sur W9 ouais. en, en, en 2007 hein, ouais. déjà. Est-ce que vous aimeriez que cette émission revienne par exemple. Oh, c'était sympa la fureur. Ouais. On a passé, ouais. on a passé du, vraiment du bon temps. Enfin en plus on n'était pas l'origine hein, tout de même hein, parce que c'était euh, Arthur France 2 et ensuite euh, TF1. Oh, oui ce sont des émissions qui sont quand même très sympas euh, à faire. Voilà. Bon, ce qui me manque de temps en temps c'est euh, salut comment ça va. Enfin voilà que ça, 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 ça brasse un petit peu. Une bande. Ouais une bande manière. un petit ouais. tour de table un peu sympa. On a notre bande téléshopping mais on est quand même là pour euh, voilà, vendre des, des produits. J'ai quand même ma petite bande le matin. Euh, radio. En radio euh, euh, sur Chérie on, FM. On va donc, en parler. Euh, voilà, ça va. Euh, on revient un instant peut-être aussi sur la période M6. Hein, vous y êtes resté 4 ans, hein, de 2007 à, à 2011. Pardon, vous y étiez le maître du divertissement. Oui. Pourquoi le maître du divertissement s'est-il arrêté euh, W9 en l'occurrence. Et pourquoi bah, Parce que j'avais fait aussi pareil, enfin, un peu le, le tour de l'exercice. Nous avions euh, commencé avec, vous le disiez, des émissions comme La Fureur. Il y a eu à la recherche du nouveau Michael Jackson. On faisait la suite, ça c'était sympa aussi. La suite de La Nouvelle Star, La Nouvelle Star, ça continue. Beaucoup d'émissions. Mais en l'occurrence, c'était aussi beaucoup d'émissions musicales. Euh, donc c'était très bien aussi. Après, on va se dire, il se lasse facilement, mais bon, bah, j'ai fait le tour de la musique, j'avais envie de faire autre chose. Donc on a passé de très belles années, les émissions étaient euh, sympas. Et pareil, après le témoignage, après le talk show, après la musique, bah, faisons autre chose. L'année dernière, vous avez participé à un hein, revient à TF1 à Star à nu, hein. ouais, Vous n'avez pas hésité à vous mettre littéralement à nu pour la bonne cause. On le rappelle, hein. vous avez rencontré un. Le médecin qui s'est occupé de votre femme atteinte d'un oui. cancer du sein, euh, ça a été un moment fort. Ça a été un moment fort, fou. Lorsqu'Arthur m'a passé un petit coup de téléphone, il m'a dit, voilà, on organise cette émission, est-ce que tu serais ok ?» Alors, Je n'ai pas tout compris au début, je ne pensais pas que j'allais me mettre nu à la fin, euh, voilà, en « Hey, <laughs> bienvenue » avec les bras écartés sur la scène du Lido. Euh, <laughs> mais euh, mon épouse ayant eu un cancer du sein, il était logique pour moi, je ne suis pas la fibre associative où je m'implique, pas tout le temps, mais de différentes manières, ou en tout cas à ma façon et à mon rythme. Euh, ça a été une émission assez folle et comme vous le disiez, nous avions rendez-vous avec euh, ce, ce, ce docteur, euh, voilà, pour qu'il nous explique. Différents types de concerts, prostate et autres. Et en fait, en arrivant, il s'avère que c'était le, le professeur Toledano qui, sans le savoir, avait donc soigné et sauvé mon épouse. Oui, oui, ça a été un moment fort. Je suis en train de vous en parler. Là, j'ai voilà, encore quelques petits frissons dans le dos. Ça a été une émission superbe. Sarah, encore une question des internautes. Une question de Brigitte. Avez-vous des projets avec Arthur non, on n'a pas de projet, on se voit régulièrement, mais euh, euh, non, non, bon, on est toujours. Euh, bah, on se connaît depuis quelques années, donc ça va faire maintenant, l'année prochaine, 30 ans. J'ai commencé aux côtés d'Arthur euh, à la radio, sur Fun Radio euh, commencé avec Arthur à la télévision. Arthur Émission Impossible. Je faisais Mister Pub avec la petite combinaison bleue. Euh, on est toujours en contact. Tu <laughs> si, si, on avait évoqué à un moment donné de refaire ensemble un petit truc de radio. Euh, je ne sais pas sous quelle forme, de quelle manière, mais pour répondre à votre question sur des, des programmes télé, euh, je n'ai aucun projet autre pour le moment que Télé que ce soit avec TF1 ou avec d'autres chaînes. Et vous ne pourriez pas être plus présent, justement, à l'antenne de, de TF1, vu votre parcours et, et c'est, dire, un peu le couteau suisse que vous êtes d'une certaine manière. Peut-être. Il y a de la place pour tout le monde. Le, je ne suis pas à la recherche. Je, je arpente pas les couloirs de la chaîne en espérant décrocher Donc, un prime. Euh, Voilà, j'ai déjà ma matinale, si je puis dire, à la télévision euh, euh, le, tous les jours. Après, si demain ils ont besoin de mes services, je suis dans le coin. Mais après, reste à savoir pourquoi faire, quoi. Hein. Alors chaque jour, hein, on le rappelle, hein, vous êtes aux commandes aussi de la matinale de Chérie FM avec Sophie Coste. Ouais. Hein. Euh, à quoi ressemble votre emploi du temps entre cette matinale et, et téléshopping, un homme qui court? Alors, oui, oui, un homme qui court, où les journées sont denses, mais qui arrive tout de même à s'organiser, comme je vous le disais, hein, l'arrivée vers 5h à la radio, les 3 heures de direct, ensuite 3 jours par semaine, euh, les tournages de téléshopping, les réunions. J'arrive à, à, à très bien m'organiser euh, tout de même, donc non, et après c'est juste un rythme de vie. C'est sûr que euh, euh, la semaine, il euh, n'y a pas de place pour, euh, bah, j'ai le moindre écart. Euh, pas, le, le pas de sortie, pas d'amis, le, de le petit verre des amis on met de côté, ça n'existe pas. Euh, voilà, c'est juste je me mets au lit en même temps que mes enfants, même si maintenant ils commencent à grandir et ils se mettent <laughs> au lit un petit peu plus tard, mais c'est la fête quand je me mets au lit aux alentours de 21h30, vous voyez mais sinon, ça va hyper bien. Mais vous l'avez compris, c'est les enfants d'Alexandre qui viennent le coucher ça, pas loin avant d'aller regarder. Non, non, mais le week-end, on tout ça. Non, non, et j'essaie de, de bouger enfin voilà dès qu'on en a la possibilité. voilà C'est sympa, ça te gère la, très bien. La, la matinale sur une radio musicale comme Chéri FM, hein, je rappelle, 6-9 heures, hein, oui. c'est moins de pression que sur une station généraliste oui, comme Brempan oui, oui. ou RTL que vous avez connu par ailleurs. Bah, j'ai connu, j'ai passé du bon temps à RTL, mais il est vrai que moi, mon domaine, enfin euh, je me sens à l'aise dans le divertissement. J'ai eu la possibilité. De le faire sur les petits matins d'RTL. Mais bon, ben, on est dans un autre exercice tout de même, ce qui ne veut pas dire que euh, j'ai été frustré ou euh, on m'a interdit telle ou telle chose. Mais c'est vrai que tu te sens plus à l'aise sur euh, des émissions, des stations musicales que des de grosses généralistes. Mais ça change pas grand-chose. Chérie FM, ça parle à qui Oh, Ça parle à une majorité de femmes, 70% de femmes euh, qui nous écoutent. Euh, voilà, après, les cibles, euh, voilà, c'est. Euh, moi, c'est tous ceux qui veulent venir, viennent et sont les bienvenus. Hein. La porte est grande ouverte. Oui. Une dernière question, Sarah. Allez, oui. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, Vincent Soulet. Bonjour Alexandre, parle de sa cave avec plein d'objets. Qu'y a-t-il exactement dedans Alors, Voilà. Alors, okay. Alors Vincent Soulet, qui doit sûrement nous regarder, euh, Vincent est le producteur de la matinale de Chéri FM. Oui. Vous voyez l'escroquerie Je vois ça. Je voyais un... la, le logo Chéri FM derrière Exactement. Il a commenté. Exactement. Parce que je les ai quittés assez rapidement pour venir et être à l'heure ici. Je salue Vincent et on réglera ça demain matin, dès 5h du matin. Je vous propose pour conclure cette émission, Alexandre, de conclure avec notre virgule, hein, notre dernière rubrique, sucré salé. Alors, c'est très simple, hein, sucré salé, on vous soumet <laughs> deux propositions. Et il faut évidemment n'en choisir qu'une seule, parfois dans la douleur. On va le vérifier avec vous. Arthur ou Marie-Ange Bon, les deux, mais. Euh, ah, bah non, c'est pas possible. D'accord, ok. Euh, ben, pardon, mais. Arthur, parce que mes débuts, parce qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble, parce que ça fait 30 ans qu'on se connaît, parce qu'on est toujours complices. Voilà. Si et vraiment, Star, il faut et faire, star Anu, j'imagine, qui a été un moment d'émotion de vous parler. Oui, évidemment, mais Parce que même pour Arthur, voilà, ça a été une émission le, 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 il avait envie de, de présenter, de proposer ce projet-là, qui est quand même pas facile à présenter en télévision. Euh, voilà, ça a été une belle émission. Je ne dirais pas qu'avec cette émission, ensemble, la boucle est bouclée, car il nous reste encore de belles années à passer ensemble, mais euh, voilà, je dirais Arthur mais sinon évidemment mariage. on revient au vrai fond du sujet donc de Téléshopping aspirateur ou appareil de fitness bon, appareil de fitness moi j'aime bien c'est ma cam, mais j'aime bien aussi de temps en temps passer l'aspirateur ah. il y a nomade ah. en ce moment qu'on vous propose je vous en parlerai la prochaine fois ah, oui. <laughs> enfin est-ce que vous, donc Twitter ou Instagram euh, euh, Twitter, Twitter. Euh, Instagram pardonnez-moi ah. Twitter je ne suis pas du tout pas du tout Twitter non, pourquoi non. Je ne sais pas, parce que je ne me suis jamais mis sur Twitter. Et Instagram, vous partagez quel type de, de, de contenu Essentiellement euh, l'activité professionnelle, comme je vous le disais, quelques photos de la radio avec les artistes. Euh, voilà. Ou de temps en temps, euh, un verre de boisson anisé avec quelques amis, mais c'est rare. <laughs> Merci Alexandre Deval. Je rappelle qu'on vous retrouve hein, donc euh, chaque jour, c'est dans Télé Shopping, c'est sur euh, TF1, on vous voit d'ailleurs euh, mmh. à l'écran, mais également dans la matinale de Chérie FM. Merci, Merci d'être venu au buzz télé et demain un nouvel invité pour Oui. buzz. Alors c'est une animatrice qui tous les jours présente avec Olivier Mine. tout le monde a son mot à dire, c'est sur France 2 et elle anime également une émission sur France Bleu. Il s'agit de Sidonie Bonnet. Ah sympa. C'est Diani Bonnec, dont sera dans le coup de demain. Merci encore d'être venu. Merci et donc, pour votre euh, invitation. Et bonne nuit, donc, sur le goût. <laughs> oui, c'est <laughs> ça. La journée va être longue. Salut, merci à vous. À bientôt. Merci.